musulman en tant que fondateur du christianisme, mais il L'exposition tente de montrer comment les événements historiques de la plupart du XXe siècle, parce que Chagall a traversé la plupart du XXe siècle et a connu donc les événements importants de ce siècle, les deux guerres mondiales, la révolution russe et l'exil, comment se reflètent ces événements dans sa peinture, dans son travail. Donc Bella l'accompagne pendant une très grande partie de sa vie. Il se marie avec elle en 1915 et puis jusqu'à sa disparition en 1944, elle reste la personne effectivement la plus importante, sa muse, sa femme. Elle veillait sur lui et on voit cet amour à travers quasiment toutes ses œuvres. C'est inhabituel. C'est donc la figure du Christ de cette façon permet à la figure du Christ représentée de cette façon permet à Marc Chagall de parler à la fois de la souffrance humaine universelle, mais aussi en particulier de la souffrance du peuple juif. Alors, Chagall a toujours gardé une forte conscience de son identité juive, mais il a aussi toujours souhaité être considéré comme un peintre d'avant-garde et peintre universel.